Et bonjour tout le monde, je suis de nouveau en direct, cette fois-ci en direct des studios de Nice Fiction, et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Broussaille, Broussaille l'optimiste. Bonjour Broussaille. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ben ça va, tranquille. Et toi? Super, merci. Donc, je suis avec toi le temps d'une petite heure pour parler de toi, de qui tu es et de ce que tu fais. Donc, tu es l'auteur du JDR Terre suspendue. Est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Terre suspendue et les dernières lueurs en fait qui est sorti en décembre. Terre suspendue, c'est un univers magique en fait où la magie remplace la technologie et c'est des terres suspendues puisque sont des terres qui flottent dans l'espace en fait. Et donc c'était un peu un pari de se dire qu'est-ce que donnerait un monde en fait où la magie existe mais où la magie finalement remplace la technologie. Donc c'est un univers je dirais contemporain. Un peu D'accord, aussi la donc Star Wars et où la ouais. magie existe en fait. D'accord, donc la magie existe et tu me dis que ça remplace la technologie, donc du Oui. coup tout ce qui est fonctionnement des machines et tout ça, tout se fait à base de magie, Ah, de voilà, sortilèges. c'était l'idée du jeu en fait. Ouais, d'accord. Et j'ai moi-même eu l'honneur de pouvoir faire une partie de Terre suspendue, bureau 734, si ma mémoire est bonne. Et 35. 735, voilà. J'avais le même problème pendant la partie. J'ai dû flipper 15 fois pendant la partie. Ça a fait beaucoup rire tout le monde. C'est D'ailleurs, des ça m'a. chiffres impairs, juste des chiffres impairs. Voilà, d'ailleurs, ça m'avait fait engendrer beaucoup de points de honte, si je puis dire, parce que ça fait partie de ton système. Donc, Bureau 735. Et c'est un jeu qui a un petit peu la particularité où les joueurs jouent des animaux. Alors, il y a des animaux aussi, il n'y a pas d'humains par contre. Il y a des elfes, il y a des gnomes, il y a des ogres, il y a des gobelins, mais il n'y a pas d'humains. En fait, c'était aussi un des paris de se dire, voilà, les humains n'existent pas. D'accord, donc c'est un monde contemporain avec uniquement des animaux, des créatures un peu fantaisistes et tout ça. Il n'y a donc aucune trace de technologie mécanique. Alors non, c'est juste de la technomagie en fait. D'accord, technomagie, donc tout ça marche donc avec des mages qui génèrent Voilà, de la magie, des un genre de. cristaux, tout ça, ouais. D'accord. Et depuis combien de temps est-ce que tu as commencé à travailler sur ce jeu? Alors ce jeu en fait c'était un jeu assez ancien en fait ouais, qui avait bien une vingtaine d'années en fait et qui a connu beaucoup d'évolutions. Enfin, au départ c'était juste une campagne de Donjons et Dragons. Et bah, comme souvent en fait dans mes jeux l'idée c'est que je pars d'une campagne qu'on a jouée en fait j'ai tellement de notes au bout d'un moment que je mets ça un peu au clair d'abord pour moi en fait et après je me dis bah est-ce que ça vaut le coup d'être publié ou quoi? Et c'est vrai qu'au départ, c'était juste une campagne de Donjons et Dragons avec tellement de modifications, de règles, de petits post-it dans tous les coins que ben c'est devenu quelque chose qui ressemblait tellement plus à Donjons et Dragons qu'il a fallu que j'appelle ça autrement en fait. D'accord, donc à la base, on peut dire que tu as débuté ta carrière de joueur donc sur Donjons et Dragons. À partir de quand environ, tu as commencé dès les débuts ou un peu plus tard? Ouais, dès les débuts, parce que moi je dois jouer à... Enfin, j'ai 45 ans maintenant et je dois jouer à Donjons et Dragons depuis que j'ai 10 ans, en fait. D'accord. Donc c'était un... quand c'est apparu en France, en fait. Et c'est vrai que bah, au départ, quand j'avais un peu la vingtaine, j'ai écrit des articles, en fait, dans les magazines de jeux de rôle à l'époque. Multimonde, tout ça. J'écrivais plus des scénarios ou des ambiances ou des petites nouvelles d'ambiance pour Donjons et Dragons. Et puis c'est vrai que après la presse rôliste s'est un peu effondrée. Et Comment donc je tu me suis dis les trouvé avec rôlistes? ben, plein d'idées en fait et plein de trucs et ben, je me suis lancé en fait dans mes propres créations. En fait. D'accord, donc tu avais déjà l'habitude de l'univers Donjons et Dragons, Ouais, de ouais. ses mécaniques et tout ça, et ça t'a donné déjà les premières idées Ouais, de faire, donc tu me dis des nouvelles et tout ça. Tu envoyais donc tes écrits à ce magazine et ouais. Ouais, c'était ouais, ouais. publié? Oui, c'était publié en fait. Alors le principe à chaque fois c'était que c'était à l'époque c'était de la commande, c'est-à-dire on me demandait d'écrire sur un sujet donné, j'écrivais un papier, on l'envoyait, ce qui plaisait pas c'était retiré, si c'était trop long c'était recoupé. Enfin, c'était vraiment le principe de la commande. Donc après c'est vrai que je me suis pas mal éclaté en faisant ça. Et puis j'ai appris aussi à écrire, pour le jeu de rôle. C'est vrai que écrire, enfin moi je suis du monde littéraire au départ, j'ai fait des études de lettres. Donc écrire des nouvelles, c'est pas forcément comme écrire un jeu de rôle ou comme écrire des aides de jeu. Donc c'est vrai que ça m'a appris aussi à écrire différemment en fait, à écrire pour le jeu. Et du coup c'est vrai que c'est un plaisir qui m'est resté. Bon à l'époque ça me faisait un peu de sous aussi, donc c'était pas mal parce que
L'idée, c'est qu'avec les articles que je publiais, ben, ça me permettait d'acheter des jeux de rôle. Donc, c'était un Ah oui, bien peu sûr. Donc, une économie vertueuse, en fait. ouais, bah en fin Et de ça me compte, tu permettait de faisais. continuer à jouer, ouais. Oui, c'est sûr. Donc, quelque part, tu te faisais un petit peu tourner à la machine Voilà. avec ce que tu envoyais, ce que tu produisais, te produisais, enfin, te faisais déjà des revenus pour Voilà. continuer à vivre ta passion, quoi. Voilà. Ben, c'était le principe parce que bon, j'ai un boulot à côté, j'ai toujours eu un boulot à côté, mais c'est vrai que ben adolescente, j'achetais pas mal de jeux de rôle, je dépensais enfin tout mon argent de poche là-dedans et souvent même plus. Et c'est vrai qu'adulte, je me suis dit bon, faut être un peu raisonnable, donc je m'étais dit ben les articles permettaient de payer en fait les jeux que je m'achetais, c'était un petit équilibre financier comme ça que j'avais trouvé. D'accord, donc en fin de compte, même plus tard, tu as toujours continué à travailler à part, mais en vivant ta passion à côté sur ton temps libre et Ouais, sur tes propres fonds, quoi. je pense que c'est le jeu de rôle, c'est vraiment un truc dans lequel je suis tombé toute petite. En fait, c'est comme on dit, hein, c'est un peu. Enfin, moi, je trouve que dans les années 80, c'était un des seuls trucs à faire, quoi, parce que les jeux vidéo étaient un peu balbutiants encore. Ouais, c'est vrai. Mais on avait, en fait, on avait pas mal de perles à l'époque au cinéma. En fait, il y a pas mal de choses, en fait, qui. Enfin, c'était l'époque des premiers films d'Heroic Fantasy. Comment? L'Heroic Fantasy arrivait traduite en français. Au départ, c'était que des bouquins anglais. On a découvert petit à petit Dune, Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit et tout. Et c'est vrai que je suis un peu tombé dedans. En bande dessinée aussi, c'était un courant qui s'est vraiment développé dans les années 80 et dans lequel c'était assez facile de se retrouver, en fait. D'accord, donc tout ça a un peu participé lorsque tu allais au cinéma, tu me parles de films et tout ça, Oui. des premiers ténors de l'heroic fantasy, tout ça a participé un Oui. peu à faire travailler ton imaginaire et a fini par donner un peu ce monde plein de magie et plein d'animaux quoi, qui remplace Oui, les non, humains. c'est clair, oui. Ah bah les animaux, ça vient aussi lointainement des fables de La Fontaine, mais ça vient aussi de ce qu'on trouve un peu partout. Et c'est vrai que je puise des idées à droite et à gauche. Enfin, je veux dire un film un peu emblématique, même s'il date maintenant, c'était Robin des Bois de Walt Disney avec des animaux. Et c'est vrai que cette habitude des films avec des animaux, c'est quelque chose qui est resté aussi, en fait, qui a bercé un peu l'enfance d'un peu tout le monde autour de nous. C'est vrai que là, le Robin des Bois, ça me parle beaucoup. C'est l'un de mes Disney préférés. Je le regarde encore assez régulièrement. Je pourrais te siffloter l'air par cœur. C'est vrai que c'est assez ressemblant à ce monde Ouais, non, c'est clair. des animaux humanoïdes qui remplacent les humains, qui sont eux-mêmes les humains. Puisque moi, je me rappelle que quand j'avais fait la partie sur Bureau 734, 35, 35. voilà. Que les chiffres impairs. Encore un Faut point vraiment blanc qu'il y dessus. a. Et donc, oui, c'est vrai que l'univers est très proche et ça se rejoint. Ouais. Et du coup, tu as commencé à travailler, à élaborer donc l'univers des Terres suspendues seul ou tu as été aidé par d'autres joueurs? Ben, je te dirais qu'en fait, au départ, c'était une campagne. Donc, en fait, il y a une mécanique, enfin, ce qui est assez habituel, moi, je trouve, dans le jeu de rôle, c'est quand tu fais une campagne de jeu, moi, c'est pas souvent des campagnes dirigistes. En fait, enfin, un scénario va nourrir le scénario suivant. C'est rare que j'écrive 15 scénarios à l'avance, j'ai un fil rouge. Mais, en fait, un scénario nourrit l'autre. Et d'une table de joueur à l'autre, ça donne pas forcément la même chose. Et c'est vrai qu'au départ, je dis, c'était un univers pour Donjons et Dragons, avec des petits twists. Je m'étais amusé de faire des petites choses rigolotes. Et au fur et à mesure, en fait, en partie, tu te trouves avec les joueurs et tu te trouves souvent confronté à des questions pratiques, en fait, que tu te poses pas forcément, que tu te poses pas forcément. En fait, je trouve quand tu réfléchis à un univers, parce que quand tu poses un univers, je trouve souvent tu pars. Alors, l'époque des premiers jeux, on partait sur la mythologie ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté pratique du jeu, en fait, le côté économie, le côté comment ça se passe. Parce que très vite en jeu, les joueurs te posent des questions. Et c'est vrai que c'est plus une réflexion, je trouve, qui est commune et qui se nourrit autour de la table. Et en fait, ce qui fait kiffer les joueurs, tu le rajoutes, t'insistes un peu plus dedans. Les idées qu'ils te donnent vont nourrir les tiennes et ainsi de suite, en fait. D'accord. Et suivant comment un scénario évolue, c'est vrai que je te dis, ça fait le scénario suivant. Et c'est pas souvent, enfin, et souvent, tu t'arrives à des choses complètement imprévisibles, en fait. Ah oui, là c'est sûr que tu commences une partie, comme on dit, tu sais pas comment elle va finir. Voilà. Donc, Ouais. Il n'y avait pas d'animaux, par exemple, au départ, en fait. C'était juste le ah d'accord. présupposé de base, c'était de se dire, il y a eu une guerre entre les humains et les orques. Le monde a été éclaté suite à la magie, parce qu'il y a eu tellement de magiciens qui se sont battus, que les humains et les orques sont tous morts, il reste que ben, leurs alliés, qui se trouvaient les elfes, les gobelins et quoi que ce soit, et sur une terre qui était un peu morcelée, parce qu'elle avait été explosée
suite à des accidents magiques. Mais c'est vrai que c'est des choses qui restent plus du tout dans la version finale, en fait. Bon, là, je te parle d'une campagne qui a plus d'une vingtaine d'années maintenant. D'accord, donc c'est une histoire qui avait déjà été donc publiée Voilà. pour ta source Voilà. produit, quoi. Bah, D'accord, ok. au départ, c'était une campagne, je te dis, donc elle a été Ouais. jouée, les 2 premières années m'ont servi à nourrir, et puis, c'est vrai que je trouvais, en fait, que dans l'angle de campagne, en fait, que j'utilisais, il y avait pas mal de magie, et que les sorts de Donjons et Dragons étaient un peu limitants, en fait. Un exemple tout bête, il y avait un sort qui s'appelait verrou magique et un sort de déverrouillage, mais je trouvais que c'était un peu simple parce que ben en fait chaque fois qu'ils étaient face à une serrure, ben, enfin on pouvait utiliser le sort de déverrouillage et donc j'ai eu l'idée de graduer des niveaux de sort pour avoir des verrous de plus en plus difficiles à ouvrir ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça, en implémentant petit à petit des sorts, que je me suis retrouvé à créer un jeu complètement différent en fait. D'accord, oui, c'est vrai que là tu me parles un peu des premières heures de Donjon Dragon où, pour ce qui est des attaques, que ce soit au corps à corps ou des magies, c'était un petit peu bon, la base de la base, donc un peu simpliste. Depuis, on en est à Donjon Dragon 5 par exemple, donc ça c'est un peu, mais ça s'est vachement diversifié. Mais du coup, même toi à l'époque, tu avais déjà des réflexes d'imaginer un peu comme tu me dis, des graduations de ce genre de choses. Oui, bah, l'idée c'était de se dire si la magie existe, en fait, si les magiciens sont si courants, parce que c'est vrai que dans Donjons et Dragons, ils ont l'air pas courants, mais en même temps, il y a tellement de choses magiques. Je me dis au bout d'un moment, si la magie est si courante, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Et c'est vrai que on se posait des questions sur comment marchent les robinets, comment ça marche la lumière chez toi. Enfin, il y avait un sort qui s'appelait lumière éternelle. Et on se disait, c'est vrai qu'avec lumière éternelle, tu peux faire des lampes qui éclairent les villes en permanence. T'as plus besoin de lampes à huile, t'as plus besoin de. Et donc, c'est vrai qu'en parlant de ça, en discutant, tu te dis, bah pourquoi pas? La magie existe. En fait, si vraiment la magie existe, enfin, je me disais, si vraiment la magie existait dans notre monde, eh ben on aurait trouvé des solutions magiques aux problèmes du quotidien plutôt que des solutions technologiques. Et donc ça me paraissait un peu difficile de faire coexister dans Donjons et Dragons la technologie et la magie, sachant que la magie permettait enfin des solutions assez pratiques. Je sais pas si tu te souviens un truc comment un type de scénario assez fréquent dans Donjons et Dragons, c'est les joueurs qui accompagnent une caravane qui doit traverser un désert peuplé par des orques et tout, et ils sont payés relativement cher. Et c'est vrai enfin on blaguait un peu avec des potes en se disant ben voilà, il y a un sort de haut niveau qui s'appelle le sort de téléportation. Pourquoi on ne demande pas simplement à un mage de téléporter la cargaison? Parce que, ah oui, alors l'ingrédient, c'est une perle qui vaut 1 000 pièces d'or, mais en même temps, je veux dire, si tu dois embaucher des gars, les nourrir, à payer la caravane et tout ça, est-ce que tu t'en sors pas pour plus de 1 000 pièces d'or? Donc c'est ce qu'on s'était dit, je veux dire, si tu trouves dans un... Et avec un réseau de mages dans les grandes villes, finalement, la cargaison peut se passer par des mages, en fait. Oui, ça fait totalement partie des petites surprises que peuvent réserver les joueurs, à savoir le détournement de scénario. Par exemple, le Eh scénario ben commence avec l'embauche d'un groupe pour faire une mission c'est d'escorte. ça. Oui, mais pourquoi faire ça alors qu'on peut faire autrement? Et du coup, Voilà, c'est leur ça. remettre un peu les joueurs sur les rails, quoi. Voilà. Et je trouvais que le discours enfin, qu'on entendait souvent, qu'on entend peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est de se dire, ah oui, la magie, ça facilite trop les scénarios, ça chante trop les scénarios. Et c'est vrai que moi, je passais du point de vue inverse. La magie existe, hein, les joueurs l'utilisent. Si je passe mon temps à les brimer, à leur dire non, t'as pas le droit de faire ça, non, t'as pas le droit de faire ça, ben non, autant les laisser et puis voir qu'est-ce que ça donne, parce que, enfin, j'ai toujours un peu considéré les scénarios de jeu un peu comme des bacs à sable. Tu sais, moi j'ai une liste de lieux, j'ai une liste de personnages, et ben en fonction de ce que font les joueurs, ils peuvent faire. On dit souvent que dans le jeu de rôle, les joueurs peuvent faire n'importe quoi, mais enfin virtuellement, ils font pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est plus facile d'avoir une liste de personnages, une liste de lieux, et puis ben, de s'adapter à ce que vont faire les joueurs, et pas forcément avoir des scènes scriptées à l'avance où ils ont l'impression d'aller dans de visiter un film interactif, quoi. Oui, c'est vrai que quand tu dis que les joueurs, enfin le JDR est réputé pour que, enfin est fait pour que les joueurs puissent faire un peu entre guillemets n'importe quoi, mais dans une certaine limite non plus, parce que mettons qu'avec mon groupe on aille devant le roi, je peux sortir mon épée et attaquer le roi, mais bon, enfin c'est totalement antiproductif, donc. Et je sais que c'est le choix que j'ai fait au fur et à mesure de faire jouer. Souvent, en fait, je fais jouer les joueurs dans des villes.
Parce qu'en fait, je trouve que la ville a plus de contraintes. En fait, y a une police dans les villes, y a des gens que tu peux pas assassiner parce qu'ils ont une garde du corps ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, je trouvais que le jeu traditionnel où tu allais dans des campagnes un peu paumées, eh ben en fait, avait tendance à inciter les joueurs à faire n'importe quoi parce qu'ils pouvaient se mettre à brûler un village et il y avait rien qui se passait finalement parce qu'ils étaient les plus forts. Alors que là, le fait que les joueurs soient pas forcément les plus forts, qu'ils sont dans une ville et qu'il y a d'autres gens qui existent, ça les force à prendre attention, enfin à faire attention aux autres. Oui, en fin de compte, quand bien même avec un groupe, on va dans un village et puis, allez, paf, on décide de mettre le faux village parce que, bon, faut assumer de toute façon derrière aussi. Donc, même si tu fais n'importe quoi, il y a quand même des répercussions qui peuvent être néfastes en tant que Mais joueur. c'est vrai que enfin, c'était l'époque des débuts de jeux de rôle, et puis on était aussi jeunes à l'époque, et on avait tendance à faire souvent un peu n'importe quoi quelquefois, et des parties tournaient un peu what the fuck. Et c'est vrai que ben, en grandissant, enfin c'est rigolo au début, mais en grandissant, tu as C'est envie de ça. discipliner un peu les choses, mais sans. Enfin comment? J'aime pas mettre des contraintes comment extérieures aux joueurs. C'est-à-dire en disant vous allez vous comporter sérieusement. J'aime bien toujours que. Enfin. Pour éviter de faire du méta-jeu, que les contraintes viennent de l'univers lui-même. En fait, quand l'univers réagit, ben, ça force les joueurs à être plus respectueux, à être plus, les mettre face à au choix, enfin, à leurs conséquences, à leurs choix. Oui, c'est ça. C'est de ce biais-là, de ce fait-là, naturellement, le joueur va ne, enfin, ne va pas faire n'importe quoi et va plus s'impliquer dans l'univers du jeu, quoi. Et ça me fait penser à quelque chose que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu me disais que la magie remplace donc la technologie, avec donc dans les illustrations que j'ai pu voir de Terre suspendue, avec des paysages quand même pas mal féeriques, magnifiques, pleines de couleurs et tout ça. Est-ce que quelque part ça, le côté magique remplacerait donc le côté technologique et donc la pollution qui va avec et tout ça? Est-ce qu'il y aurait pas un petit message écolo à faire passer, même si c'est pas clairement explicitement dit? Alors oui, ça c'est bon. Ça, je suis un peu partisan toujours de la fable. Hein. Je me dis, c'est pour ça aussi qu'il y a des animaux, parce que je me dis que, en fait, on peut traiter des problèmes qui nous touchent au quotidien dans le jeu de rôle. Je pense pas que ce soit, je pense qu'on peut s'amuser dans le jeu de rôle, mais on peut évoquer des problèmes qui touchent les uns et les autres. Mais c'est souvent, enfin, difficile d'évoquer les, enfin, je trouve, d'évoquer les problèmes, directement. Je sais que j'aime bien traiter du racisme, par exemple, en jeu. Et le souci, c'est que si tu parles du racisme blanc-noir en jeu, tu peux créer un malaise autour de la table, tu peux avoir des situations malaisantes, et c'est vraiment pas mon propos. Et alors que je trouvais que justement, le fait que bah, de mettre des animaux, de mettre des elfes, des nains, ça permet de parler du racisme, de voir ce qui se passe, d'envisager les choses, et sans en fait, sans avoir l'impression de faire la morale en fait aux joueurs. Ou sans soi-même un peu donner l'idée de faire la morale. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est un monde magique. Montrer qu'un monde magique, ça peut être pollué aussi, parce que c'est pas parce qu'il est magique que tout se passe bien. C'est une réflexion d'un joueur au départ qui me disait ton monde, il est parfait, quoi. C'est un cadre enchanteur. Et en fait, j'ai pris le contre-pied, quoi. En fait, le côté un peu L'Oréal, bah oui, c'est un cadre enchanteur, mais est-ce que notre monde à nous aussi si on regarde que les pubs, si on regarde si on regarde que ce côté-là, on peut avoir aussi une vision d'un monde parfait, alors qu'il y a de la crasse aussi derrière, quand on gratte un peu. Et je me disais, c'est là où j'ai l'idée de rendre un peu le monde crasseux, quoi. C'est-à-dire que derrière la façade de magie, c'est pour ça aussi que j'ai pris les elfes, parce qu'il y a un côté, ils ont une magie cosmétique, ils sont beaux, ils font tout pour avoir l'air mince, se faire épiler, tout ça par magie. Mais dans une vie de luxe et tout. Mais derrière ce monde-là, est-ce qu'il n'y a pas un monde crasseux? Est-ce qu'il n'y a pas un monde qui touche aussi les elfes? Et je pense que c'est une façon de réfléchir à notre société, mais avec un peu de recul. Moi, je suis un grand fan de la science-fiction des années 70, et c'est un peu ce que j'aimais dans la science-fiction des années 70, c'est qu'elle posait des problèmes sur la société, sans apporter forcément de réponse, mais en les voyant d'un autre angle de vue. Oui, Finalement,
Finalement, Finalement, ça posait les bases, les oui. bases quelque part des problèmes qu'on a aujourd'hui avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait par exemple. Mais ça permet un nouveau regard. Par exemple, tu me parles des elfes beaux, grands, tout beaux, tout ça. Mais ça peut aussi cacher quelque part une élite elfique qui pourrait prendre de haut les autres, les gens du petit peuple. Parce que je me souviens dans la carte de Terre suspendue, il y avait des cités un petit peu élitiste et tout ça, et il y avait aussi des bas-fonds, enfin oui, ce qui était considéré comme des bas-fonds, où c'était dangereux de s'y traîner et tout. Donc là, ça, même là, on retrouvait déjà un système de rapport social, quoi. Oui, mais je pense que c'est important. Et puis dans notre société aussi, c'est une façon aussi de se moquer de notre société. On est dans une société, pas juste au XXIe siècle, mais avant, qui valorise la beauté, qui valorise les personnes belles, qui s'entretiennent, qui font attention à leur physique. Et je pensais que c'était les représenter par des elfes, c'est c'est une façon de faire un joli pied de nez en fait à cette société un peu L'Oréal, quoi, tu vois. Et donc, ça fait très longtemps que tu travailles sur ce jeu. Tu as déjà fait de nombreuses présentations publiques? Alors oui, alors ce jeu-là, c'est un peu un jeu un peu, je dirais, organique, parce que c'est celui qui me suit depuis longtemps. J'en ai publié un deuxième qui est Les Dernières Lueurs, que j'ai publié en décembre, et les autres, ça reste encore des projets, parce que bah souvent, en fait, comme je te disais, ça vient de campagnes que je fais jouer, et en fait, c'est pareil. J'ai un projet qui est pratiquement fini aussi, mais je pêche sur le titre. C'est ma version en mode Castle Falkenstein, parce que c'est un vieux jeu aussi, mais j'ai fait pas mal de campagnes dans cet univers-là et le système de jeu me sortait par les oreilles. Et finalement, j'ai fini par en faire autre chose. Et puis parce qu'il y avait des bonnes idées, je pense, dans cet univers, mais pas assez fouillées. Donc, ouais. Souvent, en fait, je pars de ça, de campagnes dans lesquelles je fouille un peu des D'accord, idées. donc c'est un univers physique et tout ça qui te plaisait. Mais Ouais. tu en as fait ta propre lecture en Voilà. revoyant certains, en développant certains aspects qui pour toi Ouais, n'étaient voilà, pas c'est assez, ça. et en revoyant un petit peu aussi le système, parce que tu me disais que le système de base n'était pas pour toi, Oui. enfin, ne te convenait pas, donc tu en as refait un qui pour toi semblait plus. Ouais. Ben, tu vois, par exemple, je me souviens que ma version de Castle Falkenstein, quand je suis parti, je me demandais, en fait, je pensais faire jouer des policiers. C'est toujours assez pratique de faire jouer des policiers, en fait, aux joueurs, parce que ça leur donne une raison d'avoir des missions sans arrêt, parce que les missions à l'auberge, c'est un peu souvent. Le célèbre tableau d'affichage. Oui, ben voilà, parce que c'est des policiers, ils savent pourquoi ils sont là, et puis c'est bien parce que ils ont une raison d'être violents, en fait. Un policier, alors violent, oui et non, Oui, mais ils non, ont une raison d'enquêter, ils ont une raison d'agir face à des gens qui peuvent être violents face à eux. non. Ouais. Et je trouvais que c'était pas mal, et je suis tombé, en fait, en faisant cette partie de Castle Falkenstein, sur le net, sur un bouquin qui date des années 70, où les gars parlent de la police dans les années 70. Et c'est vrai que bon, c'est aride à lire, c'est marrant, mais j'ai dévoré ça parce que, en fait, il parle vraiment de comment la police agit, de combien il y a d'hommes à l'époque et tout. Et c'est des données qui souvent sont hyper précieuses en jeu de rôle, parce que quand tu t'inscris dans un cadre historique, tu essaies de reproduire la réalité d'une époque que tu connais pas forcément souvent. Parce que c'est vrai que moi, même dans un cadre steampunk, la police à la fin du 19e siècle, j'avais juste aucune idée même comment on les appelait ou quoi que ce soit. Donc, en fait, de fil en aiguille, tu fais des recherches, tu écris des articles, tu fais des résumés pour les joueurs, tu fais des... Les joueurs te posent des questions aussi, tu réponds, tu vas faire des recherches. Et du coup, du fil en aiguille, eh ben, tu te retrouves avec une petite bible qui te sert finalement, et puis tu te dis pourquoi pas l'éditer pour les autres, en fait. C'est ça. Et puis le fait de jouer directement une équipe de policiers, ça implique, comme tu disais, pas forcément une raison d'être violent, mais ça implique en tout cas déjà des responsabilités par rapport à ceux qui sont plus démunis et qui ont donc besoin de ces gens-là. Voilà. Et ce que je me dis aussi, c'est que, enfin, si dans le jeu de rôle, quand on aime bien jouer en campagne, si tu regardes, en fait, à la télé, qu'est-ce qui marche le mieux, c'est les séries policières, quoi, en fait, parce que les séries policières, tu peux en faire des épisodes à l'infini. Le problème souvent en jeu de rôle, c'est, enfin, je l'ai expérimenté aussi, c'est que sauver le monde, ça va, tu peux le sauver une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu te lasses de sauver le monde. Donc, la série policière permet de renouveler, elle permet aussi de voir un peu des choses un peu crasseuses, parce que c'est aussi ce que j'aime bien aussi, voir mettre les joueurs face à des choix moraux ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça permet de je trouve que ça permet de tenir sur la durée dans des campagnes. C'est vrai que j'ai de la peine sinon à faire des campagnes
qui tiennent sur la durée. Oui, c'est vrai que quitte à faire de la durée pour durer, et comme tu dis, sauver le monde une fois, deux fois, parce que au début, on va, enfin, première fois qu'on sauve le monde, on va avoir un gros méchant. Deuxième fois qu'on sauve le monde, on va avoir un méchant encore plus gros, et ainsi de suite. C'est vrai que ça tourne un peu en rond. Alors que imposer l'équipe de joueurs face à des choix moraux, sociaux et leur faire découvrir des secrets un peu underground, ça te permet en plus d'exposer les secrets de ton univers. Et par rapport aux questions des joueurs et tout ça, Et il y a souvent le rythme que t'imposent les joueurs, parce que quand les joueurs veulent jouer toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça t'impose aussi un rythme qui t'oblige à être assez productif, qui te permet pas d'avoir des intrigues qui sont à chaque fois forcément très originales. Ça te comment? Et j'avais le problème aussi de, tu sais, de, enfin, comme tout le monde à la table, de joueurs qui sont pas présents à telle session, de joueurs qui arrivent en plus d'un nouveau joueur ou quoi que ce soit. Et je me disais, en fait, l'avantage d'une équipe policière, c'est que tu peux justifier assez facilement, en fait, sans. Parce que le problème, quand tu pars en campagne et qu'ils sont perdus au milieu de la forêt, c'est que, ben oui, tu tombes sur un inconnu qui rejoint leur équipe, et puis il y en a un autre qui est pas là, mais qui les rejoint le scénar d'après. Donc c'est pour ça que j'avais pris l'habitude de faire des, en fait, enfin, et c'est une habitude que j'aime bien aussi, même dans les différents jeux, quand je fais jouer super-héros aussi, c'est de faire jouer des petites affaires où il y a le groupe, il y a le groupe qui est venu jouer ce soir-là. Ils jouent la partie. À la fin, la partie est finie. Et puis, bah, si la fois d'après il est pas là, c'est pas grave. Il a rien en fait. Il n'a pas perdu de choses. Et un nouveau joueur aussi peut se greffer assez facilement parce que c'est une mécanique, je trouve, qui est assez dynamique. Voilà pour le coup, ben voilà, vous avez une nouvelle recrue, je vous présente C'est machin, ça. machin Ouais, truc. c'est ça. Et il n'y a pas besoin de dire qu'ils l'ont rencontré par hasard à l'auberge du daim et qu'ils l'ont sauvé de. Parce que je trouvais que c'est. Enfin, je l'ai fait, hein, et puis j'ai des meneurs de jeu que je vois autour de moi quand je joue, qui le font aussi, mais il y a un côté souvent un peu artificiel et tu peines pendant 20 minutes à introduire le nouveau personnage, à essayer de créer des liens avec ce personnage, parce que tu sais bien que vous allez devoir faire la partie ensemble, mais vous êtes censé pas vous connaître. Et c'est vrai que ça fait des parties souvent un peu bancales, alors que quand tu évacues, en fait, cette contrainte, en fait, les premières minutes, en général, ça se passe beaucoup mieux. Oui, ça justifie Voilà. rapidement la raison d'intégration d'un nouvel ennemi. Voilà, qu'il est obligé de travailler avec eux, qu'ils sont obligés de travailler avec lui. Après, ils peuvent le chambrer aussi parce que c'est une nouvelle recrue, mais ils sont obligés de travailler avec lui. Et puis, et lui, il y a des raisons. C'est ça, pour le coup, vous savez qu'on sort un peu d'un cadre classique d'Heroic Fantasy où on va avoir un guerrier, un elfe, un demi-ogre, tout ça, et d'un coup on va avoir un nain, et puis c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que tu fais toi? Oui, c'est ça, en Pourquoi fait. tu vas venir avec nous, quoi? Bon. Ouais. Et puis, je sais que parce que les. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien créer des backgrounds compliqués, mais je sais qu'aussi, intégrer un background dans une partie, c'est pas toujours facile. Je préfère le faire de façon un peu plus subtile, avec la famille du joueur ou quoi que ce soit. Et là, ça t'évite d'avoir un background trop compliqué, quoi. Il est là parce qu'il est payé pour être là. Et du coup, ça te permet, en fait, quand le joueur sèche sur des trucs ou a pas forcément envie de travailler sur quelque chose de plus, d'y aller un peu plus rapidement, en fait. Et donc, du coup, tu as déjà fait pas mal de présentations publiques de par le passé. Est-ce que tu as déjà de planifier des nouvelles présentations publiques, des festivals, des Ouais. conventions? Alors là, en ce moment, la période est un peu C'est sûr, après la le. période est un peu difficile. Et puis, ouais, il y a un peu. Oh, je sais que c'est un rythme, en fait. Je suis sur pas mal de conventions, mais il y a un côté un rythme épuisant aussi en convention. Alors, c'est assez. Comment je dis? J'aime beaucoup aller en convention, mais le problème quand tu fais jouer en convention, que tu es meneur en convention, c'est que tu essayes pas les jeux des autres. Et il y a un côté un peu frustrant là-dessus, et je sais que je me partage toujours en essayant d'aller à des conventions où je fais jouer, mais des conventions aussi auxquelles je joue, parce que c'est un peu le risque aussi, c'est que en faisant jouer tout le temps, tu t'enfermes dans tes tics, dans tes univers, et ça t'empêche de découvrir aussi, d'avoir de nouvelles idées, de découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que là, pour le coup, ça t'impose un petit peu un planning parce que mais une convention, ça dure en général un week-end, hein, samedi dimanche. Donc tu te prévois à l'avance, même quitte à faire des parties avec des inscriptions à l'avance et tout ça. Que bah samedi je joue à 14h et à 18h et puis dimanche je ne fais pas jouer. Si vous voulez des renseignements sur mon jeu, mon stand est là ou quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et puis toi donc ça te permet d'aller à la Mais c'est rencontre. souvent ce que je fais maintenant. Dans les conventions, je mène une partie et le reste du temps, moi, je suis joueur parce que ça me permet aussi de découvrir, enfin, les jeux des autres et puis de discuter aussi avec les autres parce que j'ai pas mal de potes aussi dans le milieu du jeu de rôle, hein. Tu sais, quand tu fais les conventions, tu finis par tomber toujours sur les mêmes têtes
et à te faire des amis que tu vois C'est ça. régulièrement en convention. Donc, il faut se garder un temps aussi pour pouvoir discuter avec eux et pas forcément être ce que je faisais un peu quelquefois et qui peut être assez usant, c'est-à-dire où tu mènes pendant tout un week-end et en fait, tu n'as, enfin, c'est sympa, tu fais découvrir des choses aux autres, mais tu n'as rien vu en fait que ton univers à toi en fait. Oui, c'est Ce ça. En qui est un fait, côté frustrant, ouais. tu veux pas t'enfermer dans ton Non, non, auto-promo non. et tu veux rester Non, ouvert non, ouais. à... Bah oui, parce que je te dis, y a des petits, tu découvres comme ça des petits bijoux, tu découvres des façons de jouer qui sont pas du tout les tiennes en fait aussi, parce que meneur de jeu, enfin, d'un meneur de jeu à l'autre, d'un jeu à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes pratiques. Donc, c'est toujours très enrichissant de voir bah, comment les autres mènent. Et... Ah, ça, c'est bien vrai, ça. Si tu devais si tu devais citer ton dernier coup de cœur de JDR, qu'est-ce que ce serait? Alors, Alors, c'est des petits jeux que j'ai pas eu encore l'occasion de faire jouer. Moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien faire de l'expérimental aussi. Et c'est vrai qu'on m'a parlé de Lou et Morgane que j'aime bien tester, qui est un mini-jeu qui dure 7 minutes, un jeu de rôle qui dure 7 minutes et que j'ai bien envie de tester, donc que je vais, ça dure 7 minutes, donc c'est souvent assez rapide et que je vais D'accord. peut-être pas jouer récemment, pas prochaine, si j'ai l'occasion. D'accord. Donc, Lou et Morgane, oui, hein, c'est pour des parties de 7 minutes, c'est des formats très courts, quoi. Oui. Mais c'est d'autres façons de jouer aussi. Parce que c'est vrai que alors moi je suis un joueur un peu traditionnel, tu sais, avec des parties, avec des campagnes, avec un meneur, des joueurs. Mais c'est vrai que j'aime bien tester aussi d'autres façons de jouer, en fait. Tu vois, par D'accord. exemple, je sais que pendant 2 ans, j'ai fait avec un meneur du Donjon et Dragon, avec des figurines sur un plan quadrillé. Parce que, en fait, j'en avais entendu beaucoup parler, sans jamais savoir ce que ça donnait, sans jamais savoir ben, qu'est-ce que c'est de le faire. Et c'est vrai que ben, je me suis lancé dans cette, enfin, j'étais joueur sur cette campagne-là pendant 1 an parce que je voulais voir en fait qu'est-ce que c'était en fait, quelles sensations tu ressens, comment ça fait de jouer, parce que souvent t'entends des critiques ou des gens qui adorent ça ou quoi que ce soit, mais sans que tu te fasses ta propre idée, tu vois. Bien Et c'est vrai que sûr. souvent une partie te permet pas de faire ta Ah non, propre idée, il non, te non, faut c'est plusieurs sûr. parties Parce que pour. sur une partie, il peut se passer plein de situations qui fait Voilà. que tu appréhendes la chose Ah sur le temps de plusieurs de façons oui. différentes, et c'est là que tu te fais ton avis. Et du coup, cette façon de jouer avec des figurines sur un tapis quadrillé, voire même des fois directement des maps de donjons ou de villes, Oui. ça t'a plu ou tu Et préfères ben autre? alors, c'est une expérience différente. C'est pas le truc qui me plaît le plus, hein, j'avoue. Mais ça m'a permis de voir aussi quelles étaient les mécaniques qui se mettaient en jeu et tout ça. Parce que, enfin, c'est vrai que je trouvais que c'était. Moi, j'aime bien les scénarios un peu fouillés et tout ça. Là, c'est vrai qu'on passait dans la soirée, on faisait un combat ennemi en fait dans la soirée. Donc, on avait une rencontre avec des gobelins et puis après une autre rencontre avec des orques ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que l'essentiel de la partie, ouais, c'était pratiquement tout ça. On faisait un combat ennemi par soirée, quoi, en fait, Bah, et toutes les semaines. c'est vrai que dans Donjons et Dragons, surtout dans les premiers, les combats sont réputés pour être très tactique, on va dire, et du coup assez long. Un combat, ça dure facilement 1 heure parce que ça prend en Ah compte la oui. position, les Oui, distances qui sont et très puis, précises. bon, comme j'aime bien, en fait, c'est. J'ai dit que je patchais beaucoup les jeux auxquels je joue parce que quand les jeux me plaisent pas, mais j'aime bien aussi jouer un jeu by the book. C'est-à-dire, j'aime bien savoir, quand je joue un jeu la première fois au moins, savoir quelle est l'expérience de jeu qu'il propose. C'est-à-dire, pas patcher tout de suite le jeu. Parce que je sais il y a des meneurs de jeu qui aiment bien tout de suite réaménager dans les règles ce qui leur plaît pas. Moi, j'aime bien y jouer une première, deux, trois fois vraiment avec les règles en essayant d'être le plus. Ou la plus Objectif. scrupuleuse dans les règles pour pas parce que c'est vrai que sinon tu te retrouves avec enfin des tables qui jouent au même jeu et tu te dis mais attends est-ce qu'on joue bien au même jeu quoi quelquefois enfin tu joues sur des tables de vampires t'as pas l'impression que c'est le même jeu en fait tu vois et du coup tu te demandes qu'est-ce qu'il y a dans les règles pourquoi on a des expériences si différentes en fait. D'accord. Et donc dans le travail sur Terre suspendue, sur l'édition, tu es la seule autrice, mais tu as aussi un illustrateur qui travaille avec toi, n'est-ce pas? Alors, à l'époque, j'avais aussi d'autres auteurs sur les premières versions, donc ils m'ont donné pas mal d'idées. Donc, c'est vrai que c'est des choses que j'ai gardées, hein, même si j'ai modifié les textes depuis pour les faire recoller un peu à. Pour les illustrations, moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien travailler avec des illustrateurs assez différents et puis voir un peu, je voulais un style qui fasse un peu BD.
Donc c'est vrai que j'avais travaillé avec un premier illustrateur au début, Kaweth, et puis j'ai travaillé 10 ans avec lui. Puis ben, lui aussi, il avait d'autres projets aussi à côté, donc j'ai changé d'illustrateur. En fait, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui soit un peu dans le même style, qui fasse un peu de la bande dessinée. Donc je suis allé démarcher un illustrateur qui était du monde de la bande dessinée. Alors qui, c'est marrant parce que les premiers illustrateurs avec qui j'ai travaillé étaient du jeu de rôle. Et puis celui-là était pas du tout du jeu de rôle, quoi. En fait, il connaissait l'heroic fantasy, il connaissait la magie, mais c'est pas du tout un rôliste ou quoi que ce soit. C'est un vrai illustrateur qui a pas du tout de connexion avec ce milieu-là. Donc c'est assez intéressant de comme rencontre, en fait. D'accord, donc tu l'as démarché par... comment tu l'as trouvé? Par quel moyen de démarchage tu es tombé Alors, sur lui en fait? ouais, je dois dire que bah, je fais partie de ces gens qui vont chercher, enfin. Je bookmark pas mal d'illustrateurs en fait sur le net. Tu sais, quand tu te balades sur le net, tu bookmark pas mal de choses, de voir des gens qui te plaisent en fait, des gens se demander est-ce que ça te plaît ce qu'ils font et est-ce que en fait il arriverait à se coller dans ce que tu as besoin. Tu vois, parce que je me rends compte que sur chaque projet en fait j'ai travaillé avec j'ai un projet aussi qui est pas sorti qui s'appelle 6 qui est pas sorti, mais où j'avais besoin d'un style d'illustration un peu particulier, donc je suis allé chercher quelqu'un qui était complètement différent. J'aime bien en D'accord. fait que les illustrations collent en fait à l'univers. Ouais. Et c'est vrai que dans la mesure où tu as un illustrateur qui est un peu quand lorsque tu lui expliques ton projet, si l'illustrateur a la même vision de la chose que toi, vous parlez tous les deux la même langue, c'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes tous les deux main dans la main, vous êtes dans le même sens. Tu lui Alors, c'est pas expliques. facile au début. Une relation, c'est pas facile au début, parce que je me rends compte que avec Kaweth, avec qui j'avais travaillé pendant 10 ans, c'est sûr qu'au début ça a été compliqué. En fait, je dirais notre relation. En fait, c'est bizarre. C'est toujours des relations un peu. Tu sais, tu travailles pas essentiellement par mail, en fait. Mais au début, c'est très difficile de faire comprendre ce que t'as besoin. Et je sais qu'au bout de une dizaine d'années, ce qui était assez agréable, c'était que j'avais juste besoin de lui envoyer une ligne et j'avais une illustration qui collait, quoi, en fait. Parce que ben on se comprend, on sait ce que l'autre veut, on sait comment, on s'est un peu attuné, comment ajuster, voilà, avec le temps et ce qui fait qu'on arrive à savoir ce qu'on veut. Je Oui, sais c'est par ça. exemple pour les bêtes, l'illustrateur que j'avais, donc Kanji avec qui je travaille en ce moment là sur Terre suspendue, il comprenait pas ce que je voulais en fait. Mais en fait, parce que j'arrivais pas à verbaliser ce que je voulais. Et c'est vrai qu'il y a un moment où ça s'est débloqué parce qu'en fait, il me dit, ah, tu veux des animaux à la Disney, quoi. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça. En fait, c'est des animaux un peu avec la Disney, tu sais. Disney est très fort pour ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artbooks, qui sont faits là-dessus. C'est qu'ils arrivent à la fois à garder la personnalité de l'animal, mais à lui coller une personnalité humaine. C'est-à-dire avoir des visages qui sont très humains. En fait, et c'est ce qui fait que Disney a trouvé le moyen d'accrocher parce que leurs animaux sont pas animaux. En fait, ils ont rien de bestial. Ils ont un côté très humain dans leur pose, dans leur mimique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, ben, avant de travailler avec cet illustrateur-là, j'avais pas vraiment conscientisé, quoi. Je me dis, ben, tu me fais un renard. Mais pour lui, il était parti sur un renard réaliste qui ressemblait pas du tout à ce que je voulais, en Et en fait. fin de compte, il t'avait fait des vrais animaux et il avait... Voilà. Alors c'est peut-être, oui, comme tu dis, la communication qui fait tout. C'est Ouais. dans les choix que, enfin, dans le choix des mots que toi tu veux faire passer à ton illustrateur, l'illustrateur peut se dire, ah ouais, d'accord, alors il veut un renard qui a l'air réel, donc en fin de compte, il te fait un renard. Mais après, quand tu lui dis, ah ouais, mais alors du coup, en retombant sur des descriptions simples comme bah, Robin des Bois à la Disney, bah du coup, ça paraît de Mais suite. ça, c'est des choses qui sont pas évidentes parce que moi, je suis pas illustratrice. Je gribouillais un peu quand j'étais jeune, mais je suis pas illustratrice, donc c'est des réflexes qu'on n'a pas en fait. C'est des, tu vois, il y a, enfin. Quand t'écris beaucoup, tu sais pas comment on fait une illustration, comment marche une illustration. Et ce que je disais hier, pareil, sur une conférence, c'est quelquefois, ben, tu demandes une illustration et en fait, c'est pas ce que tu veux. Et en fait, tu comprends que t'auras pas ce que tu veux, mais parce que ton idée, elle est juste con, quoi. Enfin, l'idée Ouais. d'illustration, parce que ben, ça colle pas. Donc, j'ai comme ça, tu vois, des illustrations que j'ai fait faire, ben, que j'ai pas publiées, parce qu'en fait, finalement, ça colle pas, quoi. J'arrive pas à trouver le truc, quoi. D'accord, donc tu as déjà eu des contacts avec des illustrateurs ou des partenariats que tu n'as pas poursuivis parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. C'est difficile, même avec le même illustrateur, quand tu connais un illustrateur, il y a des fois, il y a des illustrations qui marchent pas, quoi. Je sais qu'avec Kawe, je lui ai fait,
Il y a une illustration que j'ai fait, enfin, refaire. Je l'ai payé à chaque fois, mais il y a une illustration que j'ai faite refaire plusieurs fois et à chaque fois elle ne me plaisait pas, en fait. Oh là là, d'accord. C'était Et en quoi? partant sur des trucs complètement différents, pourtant c'était une idée d'animal en fait que j'avais eue en fait dans un supplément Casus Belli. Donc en fait j'avais une idée très précise dans la tête, j'avais des visuels très précis dans la tête parce que ben et en fait ça collait pas en fait. D'accord. Et Mais c'était quoi comme type de dessin c'était particulier? ben, ce que j'ai appelé les mastodontes, c'est-à-dire des espèces de grosses bêtes à fourrure qui portent tu sais, des maisons ou des palais sur leur dos, en fait plutôt des petits kiosques et tout. Et ça me paraissait en fait ça me paraissait très visuel. Je te dis, j'avais plein d'illustrations, mais non, ça, cette illustration-là, le résultat m'a jamais plu, en fait. Alors D'accord. pourquoi? Parce que tu sais pas, en fait. Et souvent, Et tu vois, les illustrations qui sont les plus précises, en fait, pour lesquelles tu as vraiment une série de visuels que tu peux proposer. C'est un peu le problème quand tu demandes à un illustrateur de faire une illustration et que tu n'as aucun visuel à lui donner. Mais souvent, tu as une série de visuels à lui donner et le résultat te plaît pas parce que, enfin, c'est, ou ça lui plaît pas à lui, quoi, tu vois. d'accord. Mais du coup, c'est une idée même dans l'idée narrative, donc l'idée que toi tu as eue de cette créature. Du coup, tu poursuis. Est-ce que toi, ça t'a fait revenir sur cette idée ou est-ce que ça Bah, t'a... c'est une idée que j'ai un peu, du coup, que j'avais un peu abandonnée, parce que c'est vrai que elle était un moment central, et puis, parce que je pensais que les joueurs allaient pouvoir se déplacer, tu sais, sur des bêtes, comme ça, et puis finalement, j'ai laissé tomber, parce que j'arrivais pas à avoir de visuel assez accrocheur. Je sais que les D'accord. joueurs s'identifient, il faut des illustrations dans le jeu de rôle, c'est ça qui est un peu triste, en fait. Enfin, ça dépend des jeux de rôle, mais très souvent, il faut des illustrations dans le jeu de rôle, parce que ça, enfin, une illustration est souvent plus éloquente que 4 pages de texte. Et que ça permet au joueur de se faire une image précise de ce que tu joues et dans quel univers tu joues. Et justement, quand tu arrives à avoir, ben, oui, quand tu arrives à avoir une illustration pleine page qui te dit ce que tu joues, quand je montre par exemple les créatures dans Terre suspendue, ben, tu vois en fait ce que tu peux jouer, tu vois. Sinon, c'est vrai que si tu dis tu joues un renard, le temps de comprendre que c'est un renard anthropomorphe, machin truc, qu'il est habillé, quoi que ce soit, il peut y avoir comme ça des hésitations, tu vois. Bah, en fin de compte, la meilleure description de Terre suspendue, on en revient au Robin des Bois Ah de oui. Disney, c'est que le MJ annonce aux joueurs et visualisez-vous des créatures de type Robin des Bois dans Disney. De suite, ça parle à tout le monde, donc. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que tu vois, j'ai remarqué, en fait, il y a une différence quand tu présentes ton jeu de rôle, en fait, en convention ou quoi que ce soit. Quand tu parles, tu peux facilement convoquer des images. En fait, quand tu parles de Dark Vador aux gens, les gens ont tout de suite une image mentale dans la tête, hein, il n'y a pas besoin de. Mais. Dans l'écriture de jeux de rôle, c'est très difficile de faire popper comme ça des images chez les gens, parce que l'écriture est un peu linéaire, hein, tu peux pas te permettre de convoquer des images. Et je sais que c'est un problème récurrent. Je sais qu'à la présentation, souvent, ça passe beaucoup mieux, quoi. Bah, de toute façon, lorsque tu lis un texte ou une description, c'est très subjectif. Donc, sur la même description, Dark Vador, tout le monde connaît Dark Vador, mais imagine que Dark Vador n'existait pas en tant que tel. Si toi et moi, on lisait une description de Dark Vador, on n'aurait peut-être pas du tout le même visuel de la chose, quoi. Mais et puis c'est compliqué, je trouve. Le jeu de rôle, pour moi, en fait, c'était, je sais plus qui dit dans le jeu que le jeu de rôle est une conversation d'abord. Et en fait, c'est vrai que, en fait, le jeu de rôle, ça naît beaucoup autour de la table. Et une partie, il y a pas mal de choses qui s'accordent. Les joueurs s'accordent souvent autour de la table avec le meneur de jeu et arrivent à tomber d'accord sur des visions en disant oui, mais c'est pas Dark Vador, tu vois, dans tel film, c'est plus dans tel autre, c'est plus dans tel. Et en discutant, en fait, on arrive un peu à avoir un consensus mou autour de la table qui permet d'établir la partie. Et dans l'écriture de jeu de rôle, qui est complètement différent, en fait, de l'expérience de partie elle-même, tu te rends compte que cette expérience que j'aime beaucoup, en fait, autour de la table de pouvoir convoquer un monde commun, elle est très difficile, en fait, à mettre en place, en fait. Et c'est Oui, vraiment une des gageures du jeu de rôle. c'est vrai que d'où les qualités narratives qu'un MJ peut avoir pour décrire les choses et les questions que tous les joueurs peuvent lui apporter qui l'amènent lui-même, le MJ, à détailler encore plus si un joueur se montre curieux sur un aspect ou un autre. Ah oui, et puis, je sais que moi, j'aime bien avoir des réponses aux questions très pratiques, mais souvent, les joueurs vont te poser des questions auxquelles tu n'aurais jamais pensé, parce que, enfin, et ça vraiment, ça nourrit ton expérience. Ils vont te demander, dans telle ville, c'est quoi la monnaie? Est-ce que c'est la même que dans les autres villes? Et tu es en situation de jeu, et tu es obligé d'apporter une réponse, ou alors lui-même trouve une réponse. Et c'est vrai que ça t'oblige aussi à une sorte de, comment?
de brainstorming en fait en temps réel que j'aime bien parce que ça te permet de nourrir ton univers de façon un peu moins, comment, je dis, moins théorique et beaucoup plus ancrer les choses dans le réel en fait. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, quel est le futur de Terre suspendue? Alors là, je travaille sur une édition que j'appelle l'édition découverte. C'est Ouais. encore le type de travail qui sera en trois livrets. Ce que je me rends compte, c'est que Terre suspendue, c'est un jeu on avait fêté les 15 ans il y a quelques années. Donc c'est un jeu D'accord. qui a été un jeu d'une époque aussi, à l'époque où les joueurs aimaient bien les règles touffues avec des calculs et tout. Alors c'est pas un jeu du tout que je renie, mais maintenant je me suis rendu compte qu'on va vers des solutions plus légères en fait. Des jeux qui sont plus faciles à prendre en main. Donc j'ai eu envie aussi d'avoir un jeu plus facile à prendre en main avec des combats que je trouvais plus épiques, qui demandaient moins de calcul en fait aux joueurs parce que je me rends compte que je fais partie de cette génération des joueurs de jeux de rôle et de jeux de société, tu sais, qui n'ont pas de problème à faire 15 opérations autour d'une Ouais. table de jeux de rôle. Mais en fait, une partie du public de jeux de rôle est pas, enfin, arrive plus aujourd'hui à faire ce calcul-là en temps réel, en fait. Et il y a eu une évolution aussi dans le jeu de rôle, en fait. C'est vrai que c'est peut-être dû aussi à, depuis quelques années, le JDR, le jeu de rôle sur table, se démocratise vachement. C'est, on a quelqu'un qui va dire maintenant je fais du JDR n'a plus la même, n'a plus la même opprobre que qu'il a pu avoir avant. Ça, il y a énormément de gens qui découvrent. On le voit par exemple avec Chroniques oubliées, avec les kits découvertes, les boîtes d'initiation sur plein de jeux et qui proposent eux-mêmes aussi plein de règles simplifiées. Ouais, et puis en fait, c'est difficile d'apprendre les règles d'un nouveau jeu de rôle quand elles sont complètement différentes des pratiques que tu as. Et en fait, je me rends compte que tu vois, enfin, une habitude toute bête, tu vois, le fait d'avoir joué pendant des années à Donjon Dragon, un système qui me paraît simple. Mais en fait, il est simple sans doute que pour moi, parce que quand je joue à d'autres jeux, il y a des mécaniques qui me paraissent pas du tout intuitives, alors qu'en fait, je pense que c'est des habitudes qui sont différentes, en fait. Bah, en fin de compte, il te paraît simple à toi parce que tu es déjà familier de la chose. Mais imagine que tu découvrais maintenant, même maintenant, enfin là tout de suite avec ton passé et ton expérience de JDR, imagine que tu découvrais ce système maintenant. Qu'est-ce que t'en Ah dirais? oui, non, mais c'est clair. Quand tu vois des nouveaux systèmes, il y en a certains qui te font bondir, parce que tu te dis, mais comment ça marche? Je comprends pas et tout. Et c'est vrai que donc du coup, j'ai voulu avec l'édition découverte me dire, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple, qui va être beaucoup plus visuel, avec des combats qui sont, enfin, moi j'aime bien les combats rapides et puis un peu chorégraphiques, tu sais, où ça pète de partout. J'aime pas trop les combats où on passe 3 heures à savoir qui a touché qui et pourquoi. Ça peut être une discussion intéressante, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. Donc, je voulais en fait des combats un peu à la Star Wars, tu sais, où t'as des vagues d'adversaires qui tombent, et donc pour ça il faut des règles qui sont beaucoup plus fluides et en même temps il faut des règles qui soient très écrites. Parce que, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas se contenter de raconter un combat il faut s'appuyer aussi sur les règles. Et j'aime toujours que les règles soient au service, en fait, de la narration et favorisent, en fait, ou encouragent, les comportements que tu veux voir à ta table. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire par simplifier, par exemple, les règles des combats pour favoriser des combats épiques et tout ça. Voilà. Parce que, par exemple, prends les vieilles règles de Donjons et Dragons sur un combat épique. Déjà que un combat contre trois gobelins, ça dure 1 heure. Bon, bah, sur une grosse vague de soldats, ça prendrait facilement la soirée. Donc, j'imagine le MJ qui dit à ses joueurs, bon, bah, voilà, la semaine prochaine, on fera la deuxième vague, hein. Bon. Voilà. Et donc Voilà. c'est pour ça que tu vois dans la dernière édition, en fait, j'ai travaillé pour faire quelque chose qui me plaise aussi. Les joueurs ont un point de vie, les adversaires ont un point de vie. Je veux dire, tu le perds, t'es mort ou t'es pas mort. C'est un parti pris qui se respecte tout à fait, donc Voilà. ensuite, dans la mesure où Alors, l'ensemble de sachant qu'on l'équipe. est dans Terre suspendue, que ça marche, que tu peux te faire rappeler à la vie comme tu veux ou quoi que ce soit, la mort est pas un problème. Mais ça te permet d'affronter une quinzaine d'adversaires parce que tu sais que comme ils ont chacun un point de vie, à part certains adversaires, on va dire surdimensionnés, à qui j'ai donné 2 ou 3 points de vie pour leur donner un côté un peu critique, quoi, en niveau masse. Mais je me suis dit, est-ce que ça pouvait marcher? Et puis, ça tourne, ça donne des trucs pas mal. Donc, voilà, je vais le publier bientôt. Et pour le coup, au niveau de l'évolution des joueurs, est-ce que, mettons, si je joue, bon, allez, si je joue 6 mois, est-ce que, à force de faire évoluer mon perso, je peux gagner des points de vie supplémentaires? Alors, l'idée, c'est que je me suis rendu compte, comme tu joues, comme on joue surtout des enquêtes, l'idée, en fait, qu'est-ce qui est important dans le jeu d'enquête, c'est d'avoir des contacts. Donc, l'expérience permet d'acheter des contacts. Parce que, en fait,
qu'est-ce qui fait une saison de NCIS qui dure 5 ans ou quoi que ce soit? C'est parce qu'il connaît machin, et au bout d'un moment, tu as cette espèce de relation map, tu sais, autour de toi, qui fait qu'en fait, tu es compétent parce que tu connais plein de monde, en fait, et parce que tu te souviens de plein de monde. Donc j'ai D'accord. voulu transférer l'expérience plus au niveau des contacts. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un bon flic? C'est un flic qui connaît la personne, qui peut lui permettre de résoudre le truc, qui va savoir qu'en allant voir machin, qui est soit pour la pègre ou quoi que ce soit, il peut avoir un tuyau sur machin et quoi que ce soit. Donc c'était pour ça, en fait. C'est là où j'ai concentré, en fait, toute la mécanique de l'expérience, parce que je pense que les joueurs sont forts dès le départ, ils sont balèzes, ils peuvent affronter plusieurs adversaires d'un coup, donc il n'y a pas besoin de les faire, De les faire devenir encore plus forts. encore plus fort, parce que ça aurait aucun sens, en fait. L'idée, c'est pas de devenir des dieux. Donc, ils sont forts de base. Ils vont apprendre à utiliser leur pouvoir de façon plus fine. Alors là, c'est plus de l'expérience aussi, parce que je pense que quand tu as plein de pouvoirs ou plein de sorts, tu apprends avec l'expérience aussi, avec les utiliser. Donc, D'accord. c'est quelque chose aussi dont tu as besoin, qu'on te laisse ce temps-là, en fait, en jeu pour apprendre à utiliser tes pouvoirs. Parce que D'accord, la donc. première fois que tu les as, tu les utilises pas aussi finement qu'avec le temps. Donc, ça, c'est une expérience personnelle et une récompense personnelle. Et je pense que pour ce qui est de l'expérience en jeu, c'est ben, avoir plein de monde, faire jouer ses contacts, parce que c'est ce que j'ai remarqué en campagne, c'est que finalement, tu es bien content d'avoir le bon contact qui t'a permis de te faire entrer là où tu pouvais. Et donc, c'est ça qui est récompensé par l'expérience de jeu. D'accord, donc mais ensuite même au niveau de soi, donc je vais toujours garder mon point de vie, mais je vais peut-être avoir, de par mon équipement ou quoi, je vais peut-être pouvoir avoir plus de moyens de protéger ce point de vie, quoi. Voilà. Et donc tu me parlais tout à l'heure d'un nouveau projet que tu avais que tu avais sur les rails, 6, c'est ça? Alors, si ça fait partie des projets sur lesquels j'arrive pas à avancer, alors moi j'ai toujours plein de projets en parallèle, et quand j'arrive pas à avancer à un projet, je le mets de côté en attendant. Je sais que si c'est une très bonne idée, en fait, je pense, mais ça bloque, je sais pas pourquoi. Donc j'ai sorti entre-temps, j'ai avancé sur les dernières lueurs qui m'a permis de débloquer des trucs que j'ai des mécaniques que j'ai utilisées, parce que sur 6, ça bloque toujours. D'accord. Castle Falkenstein lui est prêt, il n'a pas de nom. Par contre, je veux lui trouver un nom qui claque. C'est vrai que c'est difficile de faire un univers steampunk où il y a de la magie. Je n'arrive pas à trouver un titre qui me plaise suffisamment. Et 6, c'est au niveau des mécaniques. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans le jeu. 6, en fait, tu joues autour de la table. Il n'y a pas de meneur de jeu. Tu es autour de la table 4 démons qui possède le corps d'un mortel qui a fait un pacte avec ces 4 démons. On est un peu dans des films à la Constantine, je sais pas si tu Bien vois. sûr, Ou... ouais. Donc en fait, 6, le personnage 6 a fait un pacte avec 4 démons qui possèdent son corps tour à tour. Donc les 4 joueurs autour de la table sont les 4 démons qui possèdent le corps de 6, sachant que quand un des... Enfin, il y a donc un seul personnage que tu joues 6. Et quand le démon possède son corps, ben c'est lui qui devient le joueur actif, mais les autres sont pas contents qu'il ait pris le pouvoir sur 6, donc à ce moment-là, il joue le meneur de jeu, il joue l'adversité, en fait. D'accord. Et Et donc, ça se passe dans quel type d'univers? C'est contemporain, ouais, alors futuriste? c'est un univers contemporain, je dis, on est sur des films comme Constantine ou quoi que ce soit, et l'idée, c'est que en plus, les démons, en fait, enfin, donnent des pouvoirs à 6, mais aussi ils forcent la perception du monde. Et D'accord. c'est-à-dire que on est sur des films. Alors, je sais plus comment s'appelle cet illustrateur. Tu as droit, en fait, à que 4 couleurs dans le jeu, qui sont le rouge, le noir, le blanc et le jaune, qui correspondent chacun à la couleur d'un des démons. Et le monde, en fait, paraît un peu comme dans Sin City. Voilà, je retrouve. Un peu comme dans Sin City, le D'accord. monde est forcé dans des contrastes. Et donc, quand tu décris les objets, tu ne peux décrire que du noir, du blanc, du rouge et du jaune. Sachant que quand tu es le démon qui prend le pouvoir ou qui joue les choses, eh ben, tu insisteras sur ces détails. Donc, le jaune, ce sera une chaîne en or, ce sera une gourmette au poignet, ce sera une montre. Ce sera des pièces de monnaie qui tombent sur le sol. Le rouge, c'est plus le sang, c'est une robe de soirée, c'est une rose dans un vase. Le noir, c'est la fumée, une fumée crasse, c'est un costume de soirée.
Le blanc, c'est une chemise, c'est la chemise d'un costume, c'est l'habit d'un serveur ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, tu vois cet univers, mais par un prisme un peu diffracté. D'accord, et du coup, le système de ce jeu, ça repose sur ce système de couleurs, c'est ça, par déduction? Oula. Ouais, ce système, alors, c'est un système de couleurs, il y a des dés dedans, mais qui servent un peu comme. Il y a des dés qui servent un peu comme au poker et quoi que ce soit, mais je sèche un peu sur le. C'est un peu le problème parce que c'est un jeu sans MJ. Et souvent, les jeux sans MJ, ça demande à ce que le jeu soit très scripté et aussi que les joueurs se sentent assez à l'aise. Donc, c'est un projet qui. J'ai les illustrations, j'ai la maquette du jeu, j'ai l'essentiel, mais je D'accord. pêche sur son intérêt, en fait. Je l'ai D'accord. fait jouer plusieurs fois, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dedans. Donc, Ah oui, d'accord. Donc, sans que je sache pourquoi, donc d'accord. j'y Donc, bon, reviendrai. bah, je te souhaite de multiplier les expériences et de Ah localiser ouais. ce qui va pas, parce que là, comme ça a l'air cool. Donc, Oui, non je mais. serais curieux de te La servir de proposition est conseiller. cool, les retours de jeu ont été cool, mais pas, ça permet pas encore de retranscrire en fait cette ambiance que je veux faire. D'accord, bah Voilà. écoute, à l'occasion, peut-être au prochain Nice Fiction, si tu es là, je serais ravi de te servir de Venez. cobaye parce Ouais, que là, tu m'as donné envie de tester la bête, si ouais, je puis dire. Ouais. ouais. Et donc, tu es, pour revenir sur Terre Suspendue, tu es donc déjà édité chez les Vagabonds du Rêve. Ouais. Donc, si moi maintenant je veux acheter ton jeu, je peux le faire par quel moyen? Sur Alors, Internet, sur un site? tu peux l'acheter sur le site des Vagabonds du Rêve et ben, je vais bientôt sortir. Donc, ce sera sous forme de trois livrets. En fait, la prochaine édition de Terre Suspendue, c'est trois livrets et qui seront disponibles. J'ai fait un livret pour les règles, un livret pour les animaux et un livret pour l'univers. Et l'idée, ce serait de tourner autour de 9-10 euros pour chaque livret. D'accord. Et que ben en fait tu puisses acheter les trois indépendamment et que ben c'est ce qui est souvent pratique, c'est qu'il y en ait plusieurs à la table quand tu as plusieurs joueurs, parce que souvent c'est assez chiant de devoir passer le manuel, et j'aime bien les livres un peu courts, ça permet de se les refiler un peu plus facilement, de les glisser dans son sac et pas d'avoir des espèces de gros pavés que tu te trimbales. Voilà, Oui, les livres de 5 kilos de règles voilà c'est à... ça. Et tu me parlais tout à l'heure aussi d'un nouveau projet que tu as. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Dernière lueur. Alors, Dernière Lueur, il existe, il est disponible sur mon site Terre Suspendue. Alors, c'est un jeu d'ambiance qui joue dans le noir. Alors, ce qui explique que le jeu peut pas être imprimé. Le jeu est en fait, je me suis arrangé pour que tu puisses avoir le jeu sur ta tablette ou sur ton téléphone, puisqu'il est écrit en bleu foncé, bleu nuit, avec une police blanche pas trop foncée non plus pour que ce soit pas trop difficile. Donc tu as ce support-là et en fait tu as trois personnages. Alors c'est une relecture d'Agone, ce jeu, si ça te parle un peu. Oui. Tu as trois personnages, un qui incarne le corps, un qui incarne l'esprit et l'autre qui incarne l'âme, et qui sont des personnes qui sont mourantes un peu au crépuscule de leur vie, au crépuscule de l'univers dans lequel ils vivent, qui sont au service d'un baron qui est lui-même mourant et qui essaye de comment qui essaye de vivre ses derniers jours avec leur baron qui visiblement est mourant, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc tu incarnes des personnes âgées, des vieillards, enfin, des héros mais vieillissants, et le meneur de jeu s'appelle le passeur ou la passeuse, et il tourne autour des joueurs un peu dans leur Ils jouent dans leur dos. D'accord. Et le but c'est de et le but c'est quoi? C'est de raconter un peu sa vie passée, vu que Alors, tu me parles plus ouais, des et choses. l'idée, enfin, on raconte sa vie présente, on peut raconter aussi son passé, mais l'idée, c'est que c'est une narration alternative. C'est-à-dire, les joueurs n'interviennent pas en même temps que les autres. C'est-à-dire, chacun raconte à tour de rôle, en fait, ce qui se passe. Et il fallait que les autres joueurs aient quelque chose à faire. Donc, il y a quelqu'un qui à gauche incarne le petit démon qui est sur ton épaule, et l'autre à droite qui incarne le petit ange qui est sur ton épaule, qui te donne des conseils ou qui essaye de te rabaisser, en fait, Ça constamment. me là comme ça dans le concept, bon, homme mis à part le côté ange démon comme tu viens de nous dire, ça me rappelle un peu le film Les Invasions barbares. Il y a un lien ou... Non, pas du tout. Tu vois, j'ai même pas D'accord. vu le film. On en a OK. parlé, mais.
Je le note parce que souvent il y a des choses Bah, qui me sacrifient. pour le coup, c'est ça que ça m'a fait penser avec D'accord. une équipe de vieux amis, donc bon, qui sont pas sur la fin, mais qui ont déjà fait leur vie et qui s'échangent entre eux, surtout leur expérience passée. Bon, c'est un film très 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 sentimental, hein, mais du coup, j'y voyais un petit lien entre Dernière Lueur et ça. Bah, Eh pour ben, le coup. n'hésite pas à le télécharger, tu verras. Il est assez accessible, ça fait des parties assez courtes d'une heure ou deux, en fait. Oui, donc tu me disais qu'il est le PDF est disponible sur Ouais, le site voilà. de Oui, la pour que tu Grande Lueur, puisses comme. l'utiliser en tablette, en fait, sur la tablette. D'accord, ok. Eh Voilà, bien, écoute, voilà. mon cher Broussaille, on en arrive au terme de cette heure d'interview. Je te remercie d'avoir participé avec moi à cette petite entretien. Donc, Ben, merci à toi. Qu'est-ce que j'allais. J'ai demandé une bêtise. Donc, on va s'arrêter là. Je Ok. te fais un gros bisou, Broussaille, et puis je te dis Ouais. peut-être à Nice Fiction l'année prochaine. Oui. Au revoir et Merci, au merci. revoir, Broussaille, à bientôt. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.